Vous allez passer la journée. Oh là là. C'est dangereux, toi. Bon, là, on est dans le bus avec Shaker, Rafi, Maëlé et le King Ben Fardou. C'est qui, Maëlé? Maëlé, c'est Mohamed Youssouf. Ok. Latéral droit ajaxien. Ouais. Donc là, on va tranquillement faire les tests cardio demandés par la CAF en dernière minute. Bon, ça y est, là, les tests cardio, c'est fini. Alhamdulillah, on est tous en bonne santé. Maintenant, on rentre à l'hôtel. Une question de BS, Jesse Siete. C'est italien ou quoi? Jesse Siete, face en italien. Hein? Non, non, il est chaud. Pourquoi donc? Pourquoi on t'appelle Conto? C'est vrai, hein? C'est une bonne question, ça. Pourquoi on t'appelle? Et pourquoi? Est-ce que t'es fan de Cantona ou... Non, franchement, j'aime bien Cantona, mais je suis pas fan. Ouais. Après, je crois, ce qu'on m'a dit. C'est des légendes, de mon quartier, à Marseille, à la Savine. Et elle m'a dit que j'aimais bien la pub de Cantona. C'est-à-dire que quand j'étais petit dans mon quartier, je prenais un ballon, je me montais le col comme ça. Arrête un peu, arrête ça là. Tu montais comment? Non, mais c'est pas moi qu'on appelle Couto, c'est toi. Je montais le col et après je mettais des boulets. Et donc après, apparemment, donc je sais pas, s'il y a quelqu'un de la Savine qui peut confirmer ça, qui le disent. Au revoir. C'est l'heure de la sieste. On va se reposer. Une sieste d'une heure ou peut-être un peu moins. Et après, la collation. A tout à l'heure, ciao. Bon, voilà. Là, on sort de la collation. On va aller se préparer pour aller à l'entraînement. Question pour toi de Yas Mouévé. Vu que tu as mis beaucoup de coups francs en club et en sélection, il voudrait savoir si tu as une technique spéciale. J'ai une technique spéciale. Écoute, je me suis entraîné depuis U16 avec un ami à moi qui joue avec moi à Sedan. Il s'appelle Faisal Ouadjir. C'est lui qui m'a appris à tirer les coups francs flottants. Donc depuis, je travaille beaucoup. Après les entraînements, je prends plusieurs ballons et je les mets un peu partout sur le terrain, aux abords de la surface, 20 mètres, 30 mètres. Et je m'entraîne à tirer, j'essaye de cadrer le maximum. Parce que je sais que si je cadre au maximum, en match, ça va être dangereux. Tout simplement. C'est bon, chacun? Deux points, touch. Zigoto là. Zigoto. Ça avait le bonnet, j'ai un camion donné. C'est le match aller. Ça a été l'entraînement ou quoi? Je pense que ça a été, hein. Alhamdulillah, très bien. Tu m'as fait tourner un peu. On a perdu, mais c'est comme ça, frérot. Tant qu'on a travaillé ce qu'on voulait travailler, après le reste, Inch'Allah, on va gagner le match. Une dernière question. C'est quoi qui t'anime dans le football? C'est quoi qui t'anime dans le football? Non, pas cette question, pardon. C'est quoi ton équipe? C'était la question de Iyad, ça. Ouais, c'est la question de Iyad, mais on va pas la poser. Non. C'est quoi ton équipe de rêve, de cœur quand tu étais petit ou même actuellement, une équipe qui t'a fait rêver? Non, moi, quand j'étais petit, j'aimais Kaka, mon joueur. Sérieux? Milan, ça veut pas, hein, tu m'en as jamais parlé. Donc après, Real Madrid. Ah ouais. Real Madrid, ils ont gagné en plus. On est contents. À la Madrid. À la Madrid. Il y en a, ils étaient pas contents hier. Bon,
C'est la fin de la journée, franchement là ils m'ont épuisé. J'ai fait ça pour vous parce que vous avez demandé à passer un moment avec moi. Donc alhamdoulilah. Donc inchallah à la prochaine et à vendredi surtout. Venez nombreux.